Dans l'épisode du mercredi 29 décembre 2021 de Plus belle la vie, Elodie est sous le choc de voir qu'Akira a voulu tuer Luna, Anne Desi. Elle lui ordonne de ne pas se mêler de ses problèmes de couple. Elodie et Bastien sont démunis car leur fille avait déjà agi de la sorte il y a longtemps, mais le problème n'avait visiblement pas été réglé. Le couple parle aussi de sa relation suite à la révélation de la liaison de Bastien avec Luna. Il leur est permis d'avoir des aventures à condition que cela n'interfère pas dans leur vie de famille. Or, ici si est-il le cas? Elodie demande à son mari de cesser cette idylle mais lui avoue qu'il est amoureux de Luna. Elle est dévastée et part se confronter à cette dernière. Elle exige que l'ancienne propriétaire de l'hôtel disparaisse sinon elle lui fera du mal. Francesco, Emmanuel Giorgi, intercepte un message de Benjamin donnant rendez-vous à quelqu'un à l'hôtel. Il ignore que le texto est adressé à Estelle, Elodie Varlet. Francesco en parle à Sylvia et lui conseille d'aller au rendez-vous. De son côté, Estelle est perdue dans ses sentiments et ne sait pas si elle aime encore son petit ami. Fanny lui conseille de prendre de la distance avec Benjamin pour faire le point. Finalement, Francesco suit son beau-frère et le voit avec. Une autre femme, qui n'est ni Sylvia ni Estelle. Il fait des photos et les montre à l'esthéticienne. Elle est sous le choc. Patrick, Jérôme Bertin et Raphaël sont introuvables. Cela inquiète Babette, Marie Réache, mais, en fait, son mari a trouvé un moyen pour faire dormir leur bébé, le promener en voiture. Patrick est exténué mais Babette est tout à coup plus sereine. À suivre dans Plus belle la vie. Lodi Vidget.